Hello les parents! Alors aujourd'hui on revient pour parler de poussettes avec la poussette Litaway 2 de chez Kiko. Alors une poussette canne ultra pratique et ultra compacte, je vous en parle tout de suite. Donc vous voyez, elle se déplie très très facilement. Alors ça fait quelques semaines qu'on la teste à la maison et vraiment son gros point fort c'est vraiment la maniabilité. Elle est très confortable à conduire, on la conduit très très aisément. Elle se faufile partout grâce à sa petite taille, sa légèreté vraiment exemplaire. Elle est vraiment très très pratique. Elle s'utilise dès la naissance grâce à son siège, pardon, 5 positions, donc une quasi totalement allongée pour accueillir un nouveau-né. Elle s'utilise jusqu'à environ 15 kg, ce sont les 3 ans de l'enfant à peu près, ça dépend bien sûr de la morphologie de votre enfant. Donc là-bas, je suis en train de déplier le canopy, alors il descend assez bas et vous avez une petite visière anti-UV qui est très pratique lorsqu'il y a du soleil ou du vent pour un petit peu camoufler et pour protéger votre bébé, donc ça c'est plutôt pratique, donc le canopy se déplie et se replie très très facilement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très très sympa. Elle existe en plusieurs coloris. Je l'ai choisie en coloris purple. Alors, je suis contente parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop fifi. Et en fait, pas du tout. Ça peut très bien aller pour un garçon. Je trouve que ça fait plutôt mix. Donc, j'étais contente de mon choix. Vous verrez sur le site Allo Bébé, il y a toutes les couleurs qui sont présentées. Niveau design, je la trouve ultra canon. Châssis en aluminium, pardon, vous avez des détails chromés un petit peu partout, sur les roues, sur les poignets. Là, je vous présente le harnais 5 points, donc très sécuritaire. Il y a des petites épaulettes qui permettent à bébé de ne pas avoir mal. Vous avez le repose-jambe qui est réglable, le repose-pied, donc là-bas en bas, les petits trous. Donc c'est une poussette qui vaut, on va donner une fourchette de prix, entre 140 et 180 euros. Je vous laisse voir sur le site Allo Bébé, Allo Bébé au niveau du prix et des détails, etc. Là, vous avez les poignées. Alors, elles ne sont pas réglables, mais pour une personne de... Moi, je fais 1m77 et je la conduis parfaitement. Elle est vraiment pile poil à ma taille. Elle est très, très bien. Les poignées sont ergonomiques, ce qui lui donne vraiment un confort de conduite inégalable. Là, vous avez une petite visière là pour pouvoir voir votre bébé ou faire un petit peu d'aération au choix. Donc, c'est plutôt pratique. On passe au panier de rangement. Alors lui, il est super parce qu'il est très grand et on y accède vraiment très très facilement, même quand la poussette est en position allongée. Là-bas en bas, vous avez la barre de frein qui est pratique également. Donc voilà, une poussette qui est vraiment très simple d'utilisation, très pratique, très confortable à conduire, qui ne prend pas de place. Elle ne pèse que 7,5 kg en plus. Donc vraiment, si j'ai une poussette canne à vous conseiller, je pense que ce sera celle-ci. Dirigez-vous vers ce style de poussette. À bientôt !